Putain, regarde ce que j'ai fait. On peut abandonner une mission? Trop le boulet, quoi. Je suis parti sans ma remorque. Putain, le con, quoi. Je vais aller livrer, mais sans ma remorque. Et j'ai fait, t'as vu, qui gros nul. Allez, c'est parti pour continuer un petit peu le mode carrière niveau 10. On va faire quelques missions en solo. Toujours avec mon camion, toujours pas changé. Il me manque encore de l'argent pour acheter un second garage, un second camion et du coup embaucher un second chauffeur. Donc, pas le choix, on va rouler faire de l'argent. Adridu. Bonjour, bonjour, ça va? J'ai juste de me connecter, hein. J'arrive juste à l'instant. Alors du coup, je pense que je vais faire cette mission-ci, qui va être bien longue. 14 heures, elle expire, 18 000 $ de récompense. On va aller chercher ça. Ça fait un petit moment que j'ai pu jouer à American Truck. J'ai pas eu trop... Enfin si, j'ai eu du temps, mais j'ai fait autre chose. J'ai rajouté donc deux modes. De ceux que j'ai déjà, normalement ils ne font pas planter la partie. Bon, attends, parce que je suis peut-être trop avancé pour lui. Hop, on va voir devant, on verra vite ça. J'ai augmenté la pluie parce que je trouvais qu'elle était pas assez présente sur le jeu, mais ça tu savais, je pense que tu avais vu la fois passée. Toujours niveau 10, pas trop de thunes. Donc bah, on va continuer, on va rouler un petit peu, passer le temps. Pas oublier de mettre mes phares, sinon je vais me prendre un PV. T'as le solde chez toi être malade ou y'en a d'autres? Le genre de truc on le refile tellement vite à tout le monde. Ah ouais, j'ai un collègue qui est venu travailler avec moi aujourd'hui, lui il l'est pas. Mais sa femme l'est. Là pour le week-end de Saint-Valentin, c'est cool. Et j'ai dit bah super, tu viens travailler, ça tombe, tu sais, il porte les microbes, on les a pas vus, mais il va nous les refiler aussi, il va tomber malade dans un jour ou deux et puis. Ce sera peut-être moi du coup. Mais bon, non, je vais pas tomber malade. Je suis extrême, c'est extrêmement rare que je tombe malade. Par contre, je teste vraiment les limites de la carte graphique avec l'ajout de plein de trafic. Plus de camions, plus de types de voitures. J'espère que je les reconnaîtrai d'ailleurs. Parce que j'ai rajouté des nouveaux modèles. Je me réjouis de voir si on les reconnaît par rapport à ce que j'avais avant. Ah mais attends putain, mais qu'est-ce que je suis en train de branler moi? T'es là, tu sais que je suis en train de rouler sans... Attends deux secondes, je vais me mettre sur le côté, rien à foutre. Je parle. J'ai l'impression que je fais le con en fait. Attends. Ok, on va dire qu'il y a personne. Mais regarde, j'ai pas de benne hein. Comment ça se fait? Putain, regarde ce que j'ai fait. On peut abandonner une mission? Trop le boulet, quoi. Je suis parti sans ma remorque.
Putain, le con, quoi. Je vais aller livrer, mais sans ma remorque. Et j'ai fait, t'as vu, qui gros nul. C'est bon, ça. Bon, bah, je vais faire demi-tour, hein. Je vais essayer de retourner la chercher, du coup. Il semblait bien que c'était long comme route pour aller chercher la benne. Ou alors, est-ce que je peux prendre une autre mission? Et rater celle-là, du coup? Ouais, on va faire ça. On va aller chercher cette benne-là, on va remonter, on va aller finir ce que j'ai pas commencé, du coup. Lol. Même pas une petite pénalité pour avoir abandonné la mission? Lol. Je me suis dit que j'allais essayer de jouer comme ça aussi. Mais je sais pas du tout comment on se guide. Attends, c'est assis. Je sais pas comment ils font en vrai pour se guider ainsi, moi. Regardez si je suis bien mis. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allons livrer du coup. Maintenant on est bon. C'est pas la benne et la remorque que je voulais. Elle est longue quand même. Il roule bizarre hein, quand même, il y en a, il roule bizarre. Note que j'ai regardé quelques lives d'ATS. Oh là là là, mon dieu, il y en a, ils roulent dans ceux qui stream, mais comme des pétés quoi. Ils s'en foutent complètement. Hein. C'est comme si c'était un jeu de Formule 1 en fait. Tu les vois rouler à fond de balle avec des camions qui vont comme des fusées. Ils doublent tout le monde, ils font des accidents, ils s'en foutent complètement, enfin c'est n'importe quoi. Moi j'ai toujours à galérer à avoir mes dollars pour m'acheter mon garage. Et eux je pense ils ont déjà des comptes avec des 500 millions. Ouais ton aise a dit repose-toi, hein. Tracasse. Moi je joue, et quand je joue, je live. Donc c'est aussi simple que ça. Bonne douche. Eh, te casse pas la gueule. Ça serait le comble. Il est tout seul, il est malade, et il tombe. Tchuss, du coup. Alors, je ne dois pas faire le plat, donc je continue. Et la couchette, elle est au fond. Je sais que je suis fatigué. Oh, passe.
enculés! Dégage, allez. C'est du propre ça. Putain. Adri, si tu m'entends, t'es allé prendre ta douche au bon moment. Bon, je vais prendre une bannisse non remorque ici. Hein. On va aller à l'ouest avec du sable. Pourquoi pas? ...6000 pour aller là. Et 8000. Ah bah, tu sais quoi, je vais faire la 6000 puis la 2000. Hop. Voilà, Adri, j'ai eu un beau crash internet là. Donc, tant que je remette tout en route. Chiant, hein, ça. Je me suis parqué. Ah, tu m'as vu! Putain, il m'a vu retourner la bagnole. Il me dit, il me part à la douche. Allez, je fais. Et j'ai pas fait exprès. Hein. Il a freiné comme un abruti devant moi. Hein. Il devait sortir à droite et moi aussi, du coup. Ouais, je pense que je devais sortir à droite. Et il a pilé sur ses freins. J'étais là. Oh, temps de freiner, trop tard. Boum. Alors qu'il est allé exploser, je l'ai traîné sur 100 mètres devant moi. Enfin, c'était pas très très beau, hein. Faudrait que je le mette dans la vidéo sur YouTube, ça. Et là, j'étais parti pour prendre la deuxième remorque, un truc de gravier ou de sable. Et ouais, mon internet a planté. Ah, ok. Parce que dans le live, je disais justement, ouf, Adri est parti justement à ce moment-là, donc c'est cool. Il a rien vu. Je ne dirai rien, s'il n'a pas vu, je ne dirai rien. Non, ça va. Il y a la limite. Je suis un peu loin de la... Et les gars derrière, ils me laisseront même pas reculer. Hein. Tu vois, je voudrais même reculer pour corriger. Le camion qui est à côté de moi, j'aimerais bien l'acheter comme second camion. J'aimerais bien prendre celui-là pour mon second chauffeur. Toujours méfiant, ça, les caravanes. Hollandais.
Et boum, voilà, tu vois qu'est-ce que je disais? Hollandais. Hollandais égale accident, UPS égale accident. GG. Lol. Je vais te faire écouter, regarde, écoute le volant, il tremble là-dedans. Plutôt cool. Fenter, qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi je prends la courte? J'avais dit que je prenais celle-là. La remorque est prête, elle est là-bas. This way. Quand je suis, ouais, quand j'ai planté en fait, à mon avis, tu revenais. Tech mec me disait qu'il fallait que je prenne des missions, tu sais, qui les classer par ordre de récompense en dollars. Mais je t'avoue que j'aime encore bien jouer à ce jeu-ci simplement en choisissant vraiment le type de remorque que j'ai envie d'avoir, quoi. Parce que sinon, clairement, c'est tout le temps des trajets qui prennent 15-16 heures. Avec des longues remorques et je visite plus que les mêmes points du coup. Je vais du sud au nord, du nord au sud, je fais tout le temps les mêmes routes. Salut des MacGraw 11, bienvenue à toi. Tandis que là quand même je peux un peu varier, je peux un peu regarder ce qui se passe, changer les paysages aussi, parce que mine de rien avec la carte qu'on a pour le moment c'est tout le temps la même chose à la limite. Donc voilà, c'est un peu, ça change. Maintenant en route 8h27 et mon temps de repos 10h, donc logiquement on va pouvoir faire du non-stop. Et Adri, ça reste entre nous hein, l'accident. Tant que la vidéo n'est pas sur YouTube. Alors j'ai toujours le souci, est-ce que je peux partir par là? Je pense que ouais. Ouais, par là je peux partir, je pense. L'effet de fumée est pas mal fait. Ok, ça passe. De nouveau, ça va bien trembler ici. Hop. Et on est parti pour 8h30 de route. Hein. Alors, leur montée d'autoroute que je trouve dégueulasse. Là, ça va aller, il n'y a personne, donc c'est bon. Mais quand tu rajoutes plein de trafic, il y a des moments où tu restes bloqué là pendant 5 minutes. Un petit tunnel qui sont toujours un hélico, un petit tunnel toujours agréable, les petits tunnels avec les jeux de lumière que je trouve très jolis. En essayant de ne pas retourner les voitures, ouais. Bah c'est la première fois, mais je l'ai bien retourné, hein. En même temps avec mon pare-buffle là à l'avant, le mec tu freines, enfin si le mec il freine quand je regarde, regarde comme il me coupe à hein, lui. Mais ouais, si je les tape avec un peu de vitesse, ils sont dead, les gars. C'est ma faute, hein. On est censé garder les bonnes distances. Je n'ai pas d'excuses. Mais ouais, retourner une bagnole, c'est la première fois. Et il y a des accidents que j'ai subis. Que je compte pas non plus comme accident, même si lui me le compte dans le jeu.
C'est genre, tu sais, t'es un feu vert, tu passes, il passe à l'orange et il y avait un bouchon devant. Les mecs qui sont à droite, qui à leur tour ont le feu vert, tu passes. Et lui, il te fonce dans la benne, quoi. Il te fonce dans la remorque. Alors que, en vrai, il te voit bien que t'es dans le carrefour, il te laisse au minimum passer. À la limite, il klaxonne parce qu'il est pas content. Mais il va pas te foncer dans la remorque. Bonjour, Nywix TV, bienvenue à toi. Maël, bienvenue à toi aussi et merci pour le follow, c'est super gentil. Sachez juste que je joue pas qu'à ce jeu-ci, hein. Ni les autres qui streamont. Ni les autres qui stream. Donc voilà, je suis sur American Truck, ça fait un petit moment que j'avais plus joué. Et que ça me manquait, les paysages, rouler, mettre un peu de musique, relax, vu que j'ai bossé le matin, mais sinon, ouais, on touche un peu à tout quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire avant de faire votre follow, c'est pour pas faire le follow et puis tu sais, juste voir du American Truck une fois sur quatre quoi. Je vais pas aller trop vite parce que, ouais, voilà. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, là j'ai. Les voitures et les. Etc. Les véhicules sont plus agressifs de temps en temps avec moi, donc ils viennent, ils me coupent la route, ils freinent et tout. Du coup, je fais mollo parce que j'en ai écrabouillé un tout à l'heure. Je l'ai explosé. J'ai. Donc je transporte des graviers. Salut, salut Soso. J'espère que tout le monde va bien. Et pour ceux qui ont des amoureuses, sérieux, déconnectez du live. Hein. Parce que ce soir, si vous n'assurez pas, ça pue. Hein. Bon, bah tant mieux si ça va. De toute façon, il fait tellement pourri dehors. On est tous sur nos PC et on est tous à regarder des lives sur Twitch. Y'a rien d'autre à faire. Sale flic de merde! T'as vu ce qu'il a fait? Voilà ce que je veux dire par un peu conduite agressive. Mais c'est sympa, hein, c'est sympa d'avoir ça dans le jeu. C'est, tu sais pas quand ça va t'arriver. Hein. Donc si tu roules comme un con, bah. C'est sûr et certain que t'en auras pour un certain montant en réparation et en PV. Ça, c'est sûr. Salut MRT. Hey Soso, merci à toi pour le follow. Très sympathique, c'est cool, j'apprécie, merci. Alors ça freine devant. Ça freine devant. Non, tu restes sur ta bande de gauche, toi. Ah bah il y a eu un crash. GG les gars. Paco, bienvenue. XXX Tank, pareil. Nessie, bienvenue, bienvenue à vous. Donc je fais juste un petit récapitulatif, je joue, je suis niveau 10, je triche pas, j'essaye de pas me prendre de PV, j'essaye de pas faire d'accident, j'essaye. Ouais, j'aimerais bien faire de l'argent pour pouvoir m'acheter un second garage, un second chauffeur et un second camion. Donc autant dire, c'est pas pour maintenant quoi. J'ai ce camion-ci qui m'appartient, que j'adore. Au niveau look, au niveau puissance, j'ai pu le mettre un petit peu comme je voulais. Il peut tirer tout et il roule plutôt correctement. Donc c'est pas ici que vous verrez un mec rouler comme un Fangio qui dépasse tout le monde. C'est pas mon style. Ah bah si t'aimes bien ce que j'ai mis comme follow alerte, c'est cool. C'est du fait maison. Et c'était normal de rendre un petit hommage à ce cher Jean-Claude, vu que moi je suis belge, donc c'était normal, on peut pas y échapper.